d'abord que j'aille acheter les trucs. Tu vas avoir besoin de 689 pièces d'or. Stop, attends. Qu'est-ce qu'il y a hein? Ici, je crois qu'il y a un livre. Marcus Ivry était un souverain. Ce fut d'ailleurs le quatrième souverain nommé Marcus. Je vois ça, je vois ça. Il pensait que cela le rendait moins important aux yeux de tous. Il insista donc pour que les lettres après son prénom ne soient plus un simple chiffre romain. Et il rajouta un Y pour en faire un surnom. C'est quoi une caméra? Ah non, c'est juste les habitations que je peux acheter. Comment est-ce que cela ne soit incroyablement génial? Ridicule. Ouais. Ah, tu... Ouais, je crois qu'il faut. Je crois que c'est un autre. Ouais, je crois que c'est un autre pack pour les. J'ai entendu dire. Donc, l'autre là, je crois qu'il y a là-bas. D'ailleurs, je crois que c'est la tenue que tu dois porter que je porte, en fait. Je crois. Donc, ce personnage devait en être à peu près là, finalement. C'est un simple. Ouais, c'est hyper cher. Oh non, je pourrais faire des tartes. Donc deux possibilités, soit je te donne l'argent. T'es un rapier, toi. Soit tu fais un peu de boulot, ce qui permettra de le montrer aussi un petit peu aux joueurs. Ouais. Je suis en train de me dire que j'ai pu tester... comment ça s'appelle ? Forgeron, juste dans la dernière ville, parce que j'arrive pas à trouver où faire forgeron dans les autres. Je crois pas qu'il y en ait dans cette ville de forgeron. Ah ouais, il y en a partout. Alors, faisons du luth, d'ailleurs. La gitane qui joue de l'argent. Qui joue de l'argent. Qui joue de la musique pour de l'argent, pardon. Attention, hein, comme je mélange les doigts, ça va être mythique. Je me contenterai de deux. Donnez-moi juste ce que vous avez sur vous. Au début, c'est lent. Magnifique. Et les gens, ils donnent 8 pièces d'or pour ça. Normal. Oh yeah. Ouais. Tu joues quoi? Tu joues 10 notes? Imagine, en vrai, on te donne 16 euros pour ça. Ça plaît. Yeah. Rock and roll. Donnez-moi 1000 dollars. Alors moi j'ai des réflexes de merde, donc je risque de me louper. Bah alors. On va essayer d'aller jusqu'au fail. Déjà, je sens que ça va bientôt le faire. Vous avez assez d'argent pour acheter une maison. Je vous conseille fortement. De plus, il vous faudra bien un foyer. Je sais pas quelle maison. Une famille. Oui, oh, sûrement, c'est sûrement chez les, sûrement chez les gitans, pardon. Oh, joli. C'est horrible. Bravo. Ah. Ah, merde. Je me suis... Voilà, fail. Bon, ça va quand même relativement vite à gagner de l'argent en bossant. Hein. Vous devriez revenir dans mon magasin. Tout don sera très apprécié. Oui, c'est un ennui, hein, je le sais. Bienvenue sur Guitar Hero. On va essayer la pâtisserie rapidement pour montrer un peu la gueule que ça a. Ouais. Oh, pardon, excuse-moi, j'avais oublié que... fallait que je bouge aussi. Fabricant de tartes. Surveillez les soldes. Il y a des affaires à faire. Des affaires en soldes, c'est génial. Ce que j'aime bien, c'est que t'as ton patron qui te parle en même temps. Vous travaillez bien. T'es tout le temps en train de te surveiller. Ouais, mais attends, si tu me surveilles, autant en bosser à ma place. Les balles, les balles, les balles. La tarte de la décennie, seul le temps le dira. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il fait, ça? Horrible. Mais qu'est-ce que... Bouge ton gros cul. Oh, mais putain. C'est la première fois que je vois ça. Ah, voilà. Moi aussi. C'est que c'est tellement moche que tu fais, tu te caches, quoi. C'est énorme. Voilà. C'est bizarre, c'est ça. Il n'y a même pas d'ingrédients dans les tartes, en fait. Il y a juste de la pâte. Fail.
Paf. Pouf. Et pouf. Et pouf. Vous maîtrisez comme un véritable artiste. Ouais, t'as vu ça. Ils sont gentils, les patrons dans Fab, maintenant. Ouais. Bravo, continuez comme ça. Vous aurez deux pièces d'or. Vous êtes un as du rouleau à pâtisserie. Ouais, et le rouleau, il va s'attirer dans la vitre. La princesse qu'on est réduit à faire ça, quoi, quand même. Je vais peut-être la garder pour moi. Ça te dit ça à chaque fois que tu fais une tarte. Ça, c'est du bon travail. À la fin, c'est une indigestion. Ouais. Merde. Beau travail. Encore 105, on se rapproche tranquillement. Ouais. Fail. Je sais pas pourquoi, moi je veux du bleu, j'appuie sur le vert. L'agacement, j'aime pas me tailler. Mais... Ça, c'est du bon travail. Les plus beaux vêtements de la région. C'est une belle tarte. Plus que 87. On va vous raconter. C'est une belle tarte. 69. Toi-même. J'en prendrais bien au dessert. Ça me fait penser que quand tu croises des prostituées, c'est quand même assez énorme, surtout les mecs. Ils sont horribles, les mecs. J'adore votre technique. J'ai fait un gros trip une fois, dans la partie, je me suis mariée avec un mec prostitué. Et je me fais. Une fois que je parle de ça, ça me déstabilise. Belle tarte. Belle tarte, oui. Ah, 9 pièces, parfait. En plus, en général, c'est plutôt des vieilles filles qui vont voir les prostituées, enfin les gigolos. Ouais, il semble que vous ayez gagné assez d'argent pour acheter les répugnants accessoires indispensables à votre panoplie. Oui, répugnants, c'est le mot. Un véritable exploit pour un membre de la famille royale. Évidemment, si vous avez développé un goût pour le travail, libre à vous de continuer tant que vous voulez. Ouais, quand je me fais, j'arrête. Bonne installation après toi. C'est ça en fait, le multiplicateur il donne envie de continuer le plus longtemps possible. Voilà, c'est gros, j'ai de l'argent, hein, je vais pouvoir acheter autre chose. Oh, voilà, ça y est. Regarde le chien. Qu'est-ce qu'il fait? Regarde le bug. Ah, il est coincé. Il a la tête coincée. Le cul en l'air, mais c'est pas grave. Putain, c'est chaud. Il est en mode bug, ton chien. Bon bah allons-nous-en. Il viendra bien. Il a la tête dans le béton. Et les fesses dans le pesanteur. Qui c'est qui a griffé le poster là? Ça va pas du tout ça. Je suis pas d'accord. Des anti-Logan. Non, c'est pas bien. Ça existe? Oui. Non, c'est pas possible. Il y en a pas mal d'ailleurs. D'accord, c'est cher. Les sabots sont pesants d'or. Mais lui, j'adore sa coiffure. Qu'est-ce que vous cherchez? Ils sont souvent homosexuels, les mecs qui sont comme ça. Grande qualité. Je crois que vous avez tous les accessoires nécessaires à votre panoplie de mercenaires. Ouais. Vous pouvez revenir vous changer au homosexuel, ordinaire, triste. C'est à cause de sa coiffure, en même temps. Passons au dressing. Ouais, bah, votre déguisement. Pas quoique. S'il est coiffé comme ça, c'est qu'il doit sûrement aimer. Ouais. Ce look bizarre. Le type de pilosité faciale qui convient est juste là. Pilosité faciale. C'est attention. Une fausse barbe. Ah, ça lui va bien. Hein. Ah bon, nous sommes loin de l'apparence traditionnelle d'une femme. Mais dans cette tenue, vous vous fondrez parmi les hommes de sa cœur. Bon, passons au tatouage. La barbe et le tatouage sont magnifiques. Il ne vous manque qu'une seule chose, le costume de mercenaire. Et hop. Avec la poitrine, c'est pas du tout discret. Ouais, poitrine. Je suis un homme, je suis un homme. Oui, poitrine cheatée. Vous vous fondrez. Mais c'est pas possible, c'est le personnage que. Oh, il a une poitrine aléatoire. Je t'es tombé sur la plus grosse, c'est obligé quoi. C'est pas ma faute, j'ai pas décidé. Je me souviens pas que quand j'ai joué avec Deyo, elle avait une poitrine aussi grosse. Mais. Pas juste. J'en veux pas moi ça.
Donnez-moi juste. Qu'il l'avait fait comme une image, je m'en fous. Mais pas les obus.